Chef, c'est moi le chef. Moi, j'ai eu envie de parler d'une vision possible du début du monde, dans le sens du début de l'humanité, c'est-à-dire la fin des frontières, la fin des guerres et le renoncement au pouvoir vertical. C'est moi le chef, c'est moi. Moi, j'ai chanté des chansons politiques sur la démocratie. J'étais un témoin privilégié des dynamiques et de tous ces collectifs qui tentent de faire la démocratie pour de vrai. La trame narrative de ce spectacle, donc, qui est un peu une sorte de contre-pied à la fin du monde, hein, et qui est donc cette idée de l'être imaginaire que ma petite fille m'écrirait pour l'anniversaire de mes 100 ans. Ça y est, le monde a basculé. Tu vas danser dans ta tombe. Nous sommes aujourd'hui plus de 12 milliards sur Terre. Mais nous n'augmentons plus. Nous n'avons plus de frontières. Plus d'armée ni de guerre. Nous mangeons toutes et tous à notre faim. Il y a aussi le fait de jouer dans des endroits atypiques, du coup. Peut-être même de rencontrer des gens atypiques aussi, parce que c'est des gens qui choisissent de vous accueillir. Et au-delà de ça, c'est amener la culture, et c'est là où il faut provoquer une dynamique là-dessus, c'est amener la culture dans des endroits où, c'est pas qu'elle n'ait pas le droit de citer, c'est que les gens parfois ne savent même pas qu'elle existe en réalité. En fait, tout est culture. Et ben là, la culture, elle devient un cercle court. Il y a une spontanéité immédiate qui s'installe au niveau en fait, des gens. On sort des tables, on sort des bouteilles et on se rencontre en fait. C'est ça qui fait une énorme différence. La libération des femmes. Pépé, tu m'entends? Ça fait un bout de temps, et c'est là que notre rencontre est jolie quand même, que je me pose des questions sur comment faire notre métier, comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans la situation dans laquelle on se trouve maintenant. C'est vrai que ce projet-là, pour moi, il coche énormément de cases. Coche déjà la case du déplacement qui est extrêmement important. Généralement, on va dans des lieux de culture, et là, c'est la culture qui vient. Ah oui, il faut souffrir. Hein. Je crois que j'ai réservé une bière avant la montée. Prendre une bière pour monter. Que t'en joues quand tu pédales? Non, j'écoute BFM. J'écoute les infos. Rampez bien à vos ailes. Je monte sur vous. C'est pas un spectacle qui vient faire l'apologie de la gauche, de l'écologie, c'est la question de la renaissance démocratique, ou même précisément la sortie de l'illusion et du mensonge démocratique. Si un jour, vous m'appelez dans vos museloirs pour priver de tout pouvoir celles et ceux qui sont prêts à tout pour le conquérir et le posséder, si un jour, me pensant capable de penser sans m'imposer vos carcans, vos visions, vos vérités, si un jour... Donc je pars de ma colère. Et à partir de là, j'ai à cœur de trouver des mots, des musicalités, des rythmes, en fait, c'est le pouvoir de la musique et c'est le pouvoir aussi du verbe, de faire décoller les colères, quoi, de les faire décoller du sol et de les rendre un petit peu plus porteuses d'élan, en fait. C'est un peu ça, le moteur de l'écriture. Dans ce monde écartelé, où tout
ce qui domine se rêve chaque jour plus attractif, plus lucratif, plus exclusif, sexy, premium, aseptisé, standardisé, virtualisé, urbanisé, anglicisé. Dans ce monde détraqué, où le culte forcené de la vitesse et la concurrence isole, sépare, déconnecte, désempare. On devrait appuyer ce spectacle à un piano près. Mais vous n'êtes pas tout attaché dans les essences. En tout attaché, à un piano près en un seul mot. Même de gars. Toi, attention. La musique qui n'est pas forcément évidente et qui n'est pas forcément connue de tous, la musique instrumentale, du jazz, qui est un peu compliqué parfois, etc. La création d'elle-même, ça a été ça. Il apporte une base, j'en fais quelque chose, et notre expérience fait le reste. La musique génère une émotion, et je trouve que là, la musique, elle est là pour porter un texte qui est extrêmement objectif, tout en étant utopiste, il est quand même très objectif. Grosse allumeuse aux doigts gras, suce ses frites froides sur le formica. Moi, je crois énormément au pouvoir de l'art. Ce spectacle, cette tournée, c'est une sorte de, pour moi, je le vois comme un geste artistique de renaissance de la démocratie. Et la vieille maquerelle aux mamelles poisseuses envoie sa pisseuse chercher du tabac à l'hôtel des Belles. Ça passe, ça passera. La gare du Nord. Alors pour ce projet, il a fallu inventer une économie un petit peu particulière parce que nous, c'est notre boulot. Donc chaque fois qu'on joue, ben on a des salaires, on a des charges. On a aussi un matériel qui est quand même assez coûteux. Ça coûte très cher, le cours du lycéen parisien est particulièrement élevé. Chaque concert du Tour de France du début du monde va coûter à peu près 1000 euros. Et 1000 euros, c'est à la fois peu à l'échelle de l'économie du spectacle, mais par contre, pour la culture en circuit court, en fait, c'est quand même beaucoup d'argent. Et la question, c'est comment on finance ces 1000 euros à chaque fois. Un truc magique dans notre grande nation, c'est que les personnes... Alors, c'est un privilège, hein, c'est pas donné à tout le monde. Il faut payer des impôts. Voilà. Vous avez du coup le pouvoir de décider par vous-même à qui attribuer votre impôt. Donc, pour le propager, ce début du monde, on a besoin de deux choses. On a besoin d'accueillants. On peut aller dans des bâtiments agricoles, on peut aller dans des boulangeries, dans des brasseries, des hangars, dans des ateliers, dans des garages, avec plein de cambouis, des camions, des trucs, etc. Et on a besoin de financement participatif, on a besoin de piano cyclo mécène. Découvrez ce projet, on compte sur vous. Ouais, ça fait vraiment spot publicitaire. Alors, après la fin du monde, voici le début du monde. Je tactique, communique, je calcule, manipule. Je logore et j'entends, tu capitules. Ce côté chaîne vert, hein. C'est affreux. L'exclusivité. J'y arrive pas. Exclusivité. Française. Après, moi, je vais trier. Ouais. Je séduis, je soudoie, j'intimide, j'incrimine. Je blesse, je cabosse, et mon nom est partout, et ma gueule est partout. Ma cravate est partout. Votez, 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 votez pour moi. Je monte, je monte, je monte, je monte sur vous. Rampez, rampez, rampez bien à vos aises. Je monte sur vous et je vous baise.